Il n'y a pas que l'IA dans la vie, c'est vrai, cette technologie est géniale, mais il y a une chose que je trouve bien plus belle et fascinante, c'est la vie et la nature. Et au cœur de cette nature, qui se réveille encore une fois ce printemps, il y a un monde souvent négligé, parfois méprisé et assez inaccessible avec nos simples yeux. J'ai passé pas mal de temps à l'observer et plus le temps passe, plus j'ai le désir de le découvrir de plus près. Ce monde est celui des plantes, des insectes et autres petites bêtes. Si aujourd'hui je peux le découvrir avec un super outil abordable que je greffe à mon appareil photo, c'est grâce à vous et plus particulièrement à un abonné qui me soutient depuis plusieurs mois sur Tipeee. Alors cette plateforme permet de recueillir des dons récurrents ou non qui soutiennent les créateurs. Alors Dovan me soutient depuis plus d'un an et j'ai pu investir cette somme dans cette porte d'accès au micro-monde. Je vous en dis plus tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien et encore mieux depuis l'acquisition de cet objet très sympa que je vais vous présenter en détail dans quelques instants. Alors je reviens un instant sur Dovan qui permet ce test. C'est en quelque sorte le sponsor de cette vidéo. Alors un grand merci à toi, Dovan. Et si vous avez l'âme musicienne, je vous invite vivement à découvrir sa chaîne. Je vous mets le lien ci-dessous en description, car en plus d'être un formidable guitariste, il est aussi un très bon pédagogue. Et votre soutien lui fera certainement plaisir. Enfin, j'aimerais ajouter que vous avez été nombreux à me soutenir également grâce à vos dons sur les fichiers de prompts que j'ai mis en téléchargement sur Ko-fi. Et que les sommes récoltées à cette occasion seront intégralement investies dans la chaîne. Il y aura donc prochainement des vidéos créées grâce à vous. Un grand merci à tous. Donc, nos objectifs photo classiques n'ont généralement pas la capacité de grossir les petites choses en raison de la distance minimale de mise au point qui empêche d'obtenir un facteur de grossissement suffisant. Pour prendre en photo un insecte, une fleur ou un petit objet, et en ayant les plus fins détails, il nous faudra soit un objectif macro, soit ce que l'on appelle une bonnette macro. Il en existe plusieurs types et ces bonnettes, aussi appelées close-up, sont des compléments optiques composés d'une simple lentille qui transformera un objectif conventionnel en objectif macro. Il en existe plusieurs types, celui-ci qui se visse directement sur un objectif, et celui-ci que j'ai choisi qui pourra s'adapter à une plus large gamme de diamètres d'objectifs. Il s'agit de la bonnette macro Rhenox DCR 250. Alors j'en suis vraiment satisfait, d'autant plus que la qualité optique est vraiment au rendez-vous. C'est du Made in Japan. Alors c'est tout sauf un gadget et voyons cela d'un peu plus près. Et bien voici donc comment on reçoit cette bague, donc la Rhenox DCR 250. Donc une boîte en carton dans laquelle on retrouvera aussi quelques éléments d'information, comme ici le diamètre sur lequel cette bague peut s'adapter, c'est-à-dire de 52 à 67 mm. Et puis à l'intérieur de cette boîte en carton, donc on va retrouver voilà, cette boîte en plastique ici, ainsi que un peu de documentation et de présentation de la gamme Rhenox. Donc dans cette boîte ici, alors, qui est assez pratique pour ranger. Donc, la bague est rangée, démontée à l'intérieur. Ça, c'est peut-être un petit peu moins pratique. On va retrouver donc la bague, l'élément optique hein, de cette bonnette. Donc, je rappelle que c'est du verre fabriqué au Japon. D'ailleurs, toute la bague est fabriquée au Japon. Donc, c'est de la qualité, c'est pas du gadget. Et puis, ici, on trouvera l'élément qui permet donc d'adapter cette bague à n'importe quel objectif. Donc, le principe est très simple, on a deux capuchons ici qui protègent la bonnette. Il y a un petit filetage ici qui vient se visser à l'intérieur de ce qui permet de l'adapter. Donc voilà, une fois que c'est vissé, alors on fait attention au fil parce que évidemment le support quand même là est en plastique et donc voilà, il faut bien l'engager avant de visser, sinon on pourrait abîmer donc cet élément. Et donc là, une fois que c'est vissé, qu'on a retiré les capuchons, eh bien voici ce que cela donne. Il n'y a plus qu'à la fixer sur un objectif. On voit ici les deux mâchoires qui viendront donc se fixer à l'intérieur de l'objectif.
Alors si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne et simplement soutenir mon travail sur YouTube, je vous remercie de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines vidéos. Alors c'est très important, cela m'aide beaucoup. Merci pour votre soutien. Donc ensuite, pour le monter sur l'objectif, eh bien c'est très simple. Hein. Vous voyez, j'ai le 55-210 de kit Sony que j'avais eu avec la 6000, hein, mais on peut le trouver aussi en achat seul. C'est un objectif qui n'est pas très cher. Dans ce cadre d'utilisation, moi je le trouve vraiment très bien, mais j'y reviendrai dans un instant. Donc on enlève le capuchon. Et cet objectif ici fait 49. Donc j'ai remarqué qu'on pouvait quand même le mettre, mais en forçant. Donc pour ne pas abîmer l'adaptateur ici, j'utilise une petite bague donc qui va me permettre de changer le diamètre ici de l'objectif. Et puis voilà, il suffit donc de venir la visser. Là c'est pareil, on fait attention au filetage, voilà, c'est fixé. Et là donc de 52, c'est parfait. On va pouvoir insérer ici, voilà, la bonnette. Donc, ouais, c'est très bien, ouais, parfait. Donc on peut éventuellement, voilà, faire attention à la centrer un petit peu. Donc voilà pour le montage de cette bonnette sur un objectif, c'est vraiment très simple. Alors qu'en est-il du cadre d'utilisation, comme on utilise cette bonnette voilà, sur le terrain? Alors je tiens à dire que pour l'instant, moi j'ai un matériel ultra minimal pour faire de la macro, je n'ai que cette bonnette. Alors j'aurai bien un peu d'éclairage portatif, mais je n'ai pas de flash encore, donc ça viendra, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais pour l'instant, comme vous le verrez, voilà, je vais vous faire voir quelques images, vous en avez vu en introduction, je n'ai vraiment que cet appareil. J'utilise principalement ce 55-210, je vais vous dire pourquoi, et donc la bonnette. Alors pourquoi cet objectif? Ben, tout simplement, hein, parce qu'il est stabilisé. Donc j'ai fait des tests aussi avec le 16-50, là encore de kit, ça fonctionne pas mal, mais évidemment on a un facteur de grossissement moindre. Par contre, voilà, on peut s'approcher un peu plus des objets, des choses, des sujets que l'on va prendre, mais ceci dit, franchement, la différence est assez minime et le gain de grossissement qu'on peut obtenir avec ce 55-210 est vraiment intéressant. Alors vraiment, le point important, hein, c'est la stabilisation, parce que ça permet de contrecarrer les tremblements, les petits mouvements, parce que autant vous dire que au facteur de grossissement que l'on atteint avec cette bonnette, eh bien, le moindre petit mouvement se traduit par un énorme mouvement à l'écran, hein, sur la photographie. Donc, deuxième chose, on va choisir aussi une vitesse assez élevée. Hein. Donc là, moi, j'étais tout le temps au-delà d'un 500ème de seconde, parce que effectivement, il faut quand même figer, hein, le sujet que l'on va prendre. Alors, d'une part, il peut bouger, c'est vrai, mais en même temps, voilà, nous bougeons avec cet appareil. Donc pourquoi je ne travaille pas sur pied? Et bien tout simplement parce que j'ai vu des vidéos très intéressantes sur la macrophotographie pratiquée à main levée, et il y a des gens, voilà, qui expérimentaient, bien sûr, de très bons photographes dans ce domaine, qui font des choses exceptionnelles. On peut même faire du focus stacking. Donc j'en ai fait un tout petit peu, je vous ferai voir tout à l'heure. Donc le focus stacking, c'est la possibilité qu'on a d'empiler plusieurs images d'un même sujet à différents niveaux de netteté, hein, sur la plage de netteté disponible, qui est très réduite évidemment ici, vous le verrez. Ce qui fait qu'on obtient un sujet beaucoup plus net sur la profondeur, voire complètement net sur son entièreté. Mais il faut multiplier considérablement le nombre d'images prises, ce qui n'est pas forcément évident, mais on y arrive, et cela même à main levée. Donc moi je débute, hein, voilà, je n'ai pas fait des merveilles à cette heure-ci, mais voilà, j'en ai un peu l'ambition. Alors sinon, concernant les autres réglages, je me sers ici, vous voyez, de ce du bouton qui permet, lorsqu'on appuie dessus, de passer en focus manuel. Pourquoi? Bah parce que on active le focus picking sur son appareil photo, ce qui fait qu'on verra à l'écran ou dans le viseur les parties qui vont être nettes. Alors, une fois qu'on appuie dessus, voilà, il suffira de varier la distance légèrement au sujet pour rendre nette la zone souhaitée. Alors, bien sûr,
Il y a toujours des mouvements et ce n'est pas forcément aisé. C'est pour ça qu'en plus de ça, je me suis mis en rafale. C'est-à-dire que je vais prendre plusieurs images à la suite. Alors vous savez que la série A6000 est plutôt bonne en ça. On dispose de 10 images par seconde. Voilà, dans l'ensemble, jusque-là, j'ai pu vérifier que si moi je ne bougeais pas trop, j'avais toujours une image assez nette et même parfois de quoi faire un petit focus stacking. C'est la macrophotographie en mode léger, je n'emmène pas de pied. Je vais peut-être essayer avec un monopode parce que c'est vrai que des fois, ça peut être une solution pour limiter certains tremblements, etc. Je vais essayer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous en reparlerai prochainement puisque c'est une activité photo que je vais pratiquer régulièrement désormais. Et puis si vous souhaitez commander cette bague, je mets le lien ici en description ci-dessous. Alors c'est un lien affilié, mais ainsi vous pourrez soutenir mon travail si vous commandez par ce lien. Ça ne vous coûtera pas plus cher et moi ça me donnera une petite commission. Et à présent je vous fais voir mes premières images prises avec cette bonnette Renox. Donc là je vous ai préparé un petit diaporama. Je vais mettre en plein écran, ça sera plus sympa. Donc voilà, alors là, première photo, vous voyez, il y a beaucoup de flou, il y a la goutte qui n'est pas tout à fait nette. Ici, on voit bien la profondeur de champ qui est assez réduite, mais il y a quand même, il y avait des zones assez nettes. Là, idem sur ce petit pissenlit. Là, un muscaris, alors là, on juge bien aussi de la profondeur de champ où il y a la netteté. Je vous ferai voir un autre exemple en focus stacking. Alors voici cette rapiette qui a bien voulu se prêter à une séance de portrait. Voilà, c'était très sympa. J'ai mis un certain temps avant de pouvoir prendre ces photos. Alors, une coccinelle avec quelques gouttes de rosée, hein, c'est de la vraie rosée. La profondeur d'une tulipe. Un bourgeon printanier. Avec un petit insecte dessus, hein, je ne l'avais pas remarqué initialement. Et là, on voit une pâquerette avec peu de netteté finalement sur cette dernière. Alors là, je vous fais voir le petit muscaris qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais sur cette fleur, j'ai pu faire un focus stacking. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs photos avec différents niveaux de mise au point. Et donc là, je crois que j'avais 3-4 images de bonnes exploitables. Et donc, voici ce que ça donne après développement. Donc ça, cette pile de photos, je l'ai réalisée ici sur Affinity Photo, qui est capable de faire ça et plein d'autres choses. Et donc, vous voyez que là, ça a étendu considérablement la zone de netteté. Voilà, je passe en arrière. Vous voyez, ça, c'est complètement flou, ça aussi. Et là, quand je repasse donc, sur celle qui a été stackée, eh bien, voyons, on a toute cette zone-là qui est nette. Là, c'est net aussi, etc. Donc, voilà, c'est très sympa. Donc, c'est ma première photo en photo stacking. Donc, voilà, c'est pas une merveille, mais j'étais content d'avoir donc initier cette pratique. Alors bien sûr avec cet ensemble, hein, donc votre appareil photo, un objectif et une bonnette macro, vous pouvez aussi faire de la macro sur des objets. Là je n'en ai pas encore fait, je n'ai pas eu le temps, mais c'est quelque chose que je ferai très très prochainement. Et pour tout vous dire, ouais, cette bonnette elle est très accessible puisque on la trouve aux environs de 70-75 euros actuellement sur Amazon. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus. On se retrouve en face cam pour une conclusion. Alors je ne sais pas si cette pratique photo, la macrophotographie, vous intéresse. Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et j'en reparlerai prochainement ici sur la chaîne car il y a beaucoup à dire, c'est vraiment passionnant. Et d'ici là, abonnez-vous, soutenez mon travail d'un pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.